Le choix nous appartient tous de faire ou de ne pas faire. Nous avons le droit de décider ou de ne pas décider. Mais une chose est claire, nous ne pouvons pas choisir notre raison d'être. Elle est innée. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP. J'aide les personnes qui souhaitent à transformer leur vie, développer leur leadership, que ce soit du leadership professionnel, personnel ou d'affaires. Et j'aide aussi les personnes qui souhaitent devenir coach à devenir des coachs prospères et transformationnels. Bienvenue dans cet épisode numéro 75 de la série FC Leadership Podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 75, je reçois un invité de renom, Fabienne Kelmain, qui va nous apporter un sujet sur le leadership. Le titre, plus précisément, est « Devenir un leader sans titre ». Je vous laisse écouter cette interview et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 75. Aujourd'hui, j'ai avec moi Fabienne Kelmain qui va nous apporter un sujet super intéressant qui me tient à cœur. C'est son titre, c'est « Devenir un leader sans titre ». Déjà, ça fait vraiment disruptif, mais vraiment, vraiment impactant. Moi, je sens que ça va être très super. Avant tout, je vais laisser la place à Fabienne qui va se présenter et nous dire qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait exactement. Et comme ça, on en saura plus avant de commencer cette interview. Merci à toi, Fabienne. Je laisse la place. Mais bonjour Fadler, mais comme j'aime le dire, hein, déjà qu'on a les mêmes initiales, ça m'amuse déjà beaucoup avant de commencer. Donc, je m'appelle Fabienne Kelmain et je suis aujourd'hui distributeur de bon sens. Les personnes, les entreprises au changement, parce que le monde change et le monde de l'entreprise aussi. Donc, sous forme de coaching, d'accompagnement, bien sûr, divers et variés. Donc, voilà. Et je vis en Belgique, dans le Brabant wallon, exactement. Ok, super. Donc, Fabienne, donc aujourd'hui, tu vas parler de leadership. Question à toi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce titre, devenir un leader sans titre? Ouais. Et alors, je vais déjà te reprendre. Je n'ai pas choisi en fait le leadership comme sujet, mais bien devenir un leader sans titre. Ouais. Alors, j'aimerais commencer par lire un petit extrait justement de Martin Luther King qui écrit une phrase qui va bien sûr entamer le sujet. Si un homme est appelé à être balayeur de rue, il devrait balayer les rues comme Michel-Ange, comme Beethoven composait la musique ou comme Shakespeare écrivait de la poésie. Il devrait balayer les rues tellement bien que toute l'armée célestiale et de la terre ferait une pause pour dire « Ici vit un grand balayeur de rue qui a bien fait son travail. » Martin Luther King. Wow. Voilà. Très inspirant. Oui, je le dis, mais effectivement, dans cette phrase, tout dit. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que justement, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est prendre en fait, en quelque sorte, sa part de sa propre responsabilité, mais reprendre aussi sa vie en main. Donc, devenir son propre leader. D'accord. Devenir son propre leader, ce qui veut dire que chaque être
humain, si je comprends ce que tu dis, a son propre leadership personnel, donc il peut en devenir, il peut travailler là-dessus pour vivre une vie qui soit libre, qui a du sens. OK. C'est ça. Chaque personne est libre, en fait, de devenir son propre leader. C'est une liberté, c'est un choix. On a toujours le choix de choisir, en fait, son chemin. Et je pense que c'est beaucoup plus confortable d'être, enfin, de devenir son leader que de subir et de vivre, mais dans l'ombre Oui. OK. de son ombre et au quotidien. D'accord. Merci pour cette précision, Fabienne. Une autre question pour toi. Qu'est-ce qu'un leader pour toi? Qu'est-ce qu'un leader sans titre pour toi, encore précisément? Qu'est-ce qu'un leader sans titre? Eh bien, c'est chaque personne qui décide de devenir, en fait, de prendre sa vie en main. C'est une personne qui décide de se lever tous les matins et se dire, ben voilà, comme on disait tout à l'heure, ben, je suis en bonne santé et tout est possible. C'est d'aller travailler malgré qu'on ait dit un premier métier ou un second métier, comme on disait, enfin, alimentaire, qui est peut-être aussi un métier, ou peut-être c'est notre seul métier, mais qui n'est peut-être pas un talent, mais qui décide de faire ce métier avec cœur et donc du coup de rendre sa vie beaucoup plus joyeuse. Et quand il rend sa vie joyeuse en faisant son métier, ben, il va irradier en fait. Et on va demander, mais enfin Fabienne, tu es balayeur de rue, qu'est-ce qui se passe que tu es si joyeuse? Et ça, c'est déjà, enfin pour moi, c'est déjà quelque chose qui prouve que ça irradie, en fait, peu importe le métier qu'elle fait. D'accord. Donc, finalement, c'est pas sur le métier qu'on va identifier quelqu'un, mais sur ce que la personne est, comment la personne se définisse. Tout Donc, à fait. C'est sa propre définition. Je décide d'être mon propre leader. C'est pas quelqu'un qui me dit cette fois-ci, parce que c'est vrai que dans l'entreprise, enfin, je veux dire, en général, et on a en fait, on reçoit un titre, on reçoit et on décide en fait d'accepter ce titre. Tu es soit ouvrier, tu es soit salarié, tu es soit manager, tu es soit CEO, ok. Mais peu importe en fait le titre que la société te donne, qu'il est important aujourd'hui de décider d'être, enfin voilà, de choisir son propre titre, si on peut effectivement appeler ça comme ça et se mettre dans un cadre. Ici, on ne se met pas dans un cadre, on décide de quelque chose et on décide d'être son propre leader. Voilà, on n'attend pas, je ne serais pas heureuse si on me dit que je suis manager, je ne serais pas, enfin, ni malheureuse si on me dit aujourd'hui, ben, tu vas devenir balayeur ou tu pas de valeur faire des copies, enfin voilà, c'est ton nouveau métier, même si c'est pas agréable, mais je ne me sentirai pas dévalorisée pour ça parce que j'ai décidé d'être mon propre leader. Très bien. OK. Alors, question encore que j'aimerais te poser, Fabienne, c'est pourquoi alors être un leader sans titre? Mais on a déjà un petit peu répondu, enfin je veux dire, à cette question. Pourquoi? Mais d'abord pour être bien avec soi et en même temps, rendre ce que l'on fait beaucoup plus agréable. D'accord. Si je reviens toujours au balayeur de rue, parce que enfin, voilà, on le citait dans l'extrait que j'ai lu de Martin Luther King, si je suis balayeur de rue ou si je travaille dans une bibliothèque ou peu importe un métier qui n'est peut-être pas plus, je veux dire, qui peut ne pas être réjouissant au quotidien, mais peu importe. En fait, ce que je fais, c'est je le fais avec cœur, je le fais avec joie, et pour moi, ce sera beaucoup plus agréable de le faire dans la joie et dans la bonne humeur. Et je peux trouver un petit bonheur, même si je suis balayeur de rue, et eh bien il y a des gens qui passent et qui me disent bonjour au quotidien, et je peux répondre avec le sourire, ou bien je suis encore une fois, ben, je deviens, enfin, je dirais, je reste victime de quoi je fais mon travail et c'est dur, tu vois, d'être balayeur de rue, c'est dur. Il y a certains métiers qui sont physiquement durs, certains métiers qui sont psychologiquement durs, et puis il y a des gens qui se rendent le métier dur. Enfin, je veux dire, si tu fais un métier à répétition qui n'a rien de joyeux, ben c'est sûr que c'est dur. Mais si tu le fais et que tu choisis de subir en fait ben, tout ce qu'on te met à dos,
eh bien, ça va encore être plus dur. Donc, le jour où tu décides de ton propre leader, ça veut dire que tu te redresses aussi, que ton non-verbal parle, que tu décides et tu prends ta vie en main, là, tu exploses et tu dis, ouais, voilà, je suis balayeur de rue, c'est quand même plus joyeux que de dire, ben, voilà, je suis balayeur de rue, quoi, je vais faire que... Non, c'est extraordinaire. En fait, c'est au même temps, c'est aller trouver, voilà, je balaye la rue, je nettoie la rue, je nettoie, enfin, mais en même temps, je rends service à la société. C'est trouver des choses, je veux dire, qui te mettent en valeur toi-même. Il ne faut pas attendre que d'autres instances te disent que tu es bien. C'est aller trouver toi-même des choses qui sont valorisantes dans ce que tu fais. D'accord. Donc, quelque part, dans le leader sans titre, finalement, c'est vraiment la personne qui décide de dire, bon, aujourd'hui, ben, j'arrête de subir la vie, peu importe leur, sa condition de vie. Hein. Aujourd'hui, j'arrête de subir la vie. Je veux maintenant vivre la vie. Je veux arrêter de tourner dans cette roue du hamster où je me retrouve plus. Je veux donner du sens à ma vie. Je veux vraiment que les choses bougent pour moi, pour que ça puisse bouger pour les autres de l'équipe. OK. Donc, c'est un vrai sujet sur cette question de leader sans titre, parce que beaucoup de fois, les gens ignorent qu'eux aussi peuvent, parce que par rapport à leurs conditions, par rapport à la situation qu'ils vivent. Maintenant, est-ce qu'il y a une représentation idéale d'un leader sans titre? Comment quelqu'un qui ne sait pas qu'il est, qu'il a ce leadership-là peut avoir une représentation quelque part pour dire, bon, aujourd'hui, ben, je vais pouvoir sortir de cet état où j'en suis pour devenir un leader sans titre? Je sais, un chemin, mais il y a des moyens. Il y a des outils. Et puis, c'est aussi un état d'esprit. Aujourd'hui, on peut décider de quelque chose. Hein, on en a marre de se faire taper sur le clou en disant qu'on est, enfin, ou de subir. Et aujourd'hui, on décide de prendre la main. Et donc, en décidant cela, ben, on peut se faire aider aussi. On peut se faire aider par des coachs, par des formations, par des lectures, et par du travail. Mais en même temps, c'est aussi un travail au quotidien, parce que être son propre leader, c'est aussi avoir de l'estime de soi. Donc, c'est aussi travailler sur sa confiance en soi, son estime de soi. Se détacher un petit peu et oser sortir en fait aussi de sa zone de confort et de ce quotidien qui pourrait qui est un petit peu morose et stressant, et c'est aussi en fait se dire ok, enfin je veux dire, ça ne convient plus, je veux vraiment prendre ma vie en main, je veux être mon propre leader. Donc il y a vraiment des choses à prendre en place. Donc je pense qu'on a parlé déjà de tout ce qu'on peut faire soi-même, c'est se détacher aussi, c'est enfin commencer un beau rythme de vie pour se mettre dans une belle énergie déjà, parce qu'on ne peut pas être son propre leader si on n'est pas dans une belle énergie. Donc c'est déjà prendre sa vie en main, sa vie, c'est déjà peut-être se détacher aussi de l'information du quotidien qui n'est pas spécialement toujours joyeuse. C'est mettre des petits bonheurs déjà dans sa vie pour aller les chercher, pour faire pétiller sa vie, c'est de se mettre de la musique. Ce matin, je trouvais que je traînais un petit peu, j'avançais pas. J'étais maître en fait de la musique, des tambours japonais pour me donner le rythme. Ça donne la pêche. J'ai écouté ça pendant 3 minutes. Après, ça suffisait, mais ça m'a donné le rythme, quoi. J'adore. Hein. Et puis aussi créer un petit son petit univers. Et puis aussi, enfin, je veux dire, des petites choses au quotidien qu'on peut répéter. Moi, je suis très olfactive, donc j'adore en fait mettre parfum, sentir. L'odeur des fleurs, mettre de la musique, des choses qui te mettent dans la joie. Et puis, si tu en as tourné comme ça, en te faisant, enfin, tu vois, des petites choses que tu peux répéter au quotidien, tu peux méditer, tu peux aller te balader, tu peux respirer profondément, parce qu'on oublie souvent des choses super importantes, c'est ne fût-ce qu'apprendre à bien respirer. Et puis manger sainement, et puis petit à petit, enfin je veux dire, quand tu commences, enfin, je veux dire, une transformation sur tout, sur toi, il y a plein de choses qui sont en place. Si tu apprends à respirer, ben à un certain moment tu vas avoir envie
tu vas avoir envie de bien respirer tout le temps. Donc, tu vas peut-être te mettre à refaire du sport ou bien à faire des exercices justement de respiration au quotidien. Et ça en place, mais ça fait que ton énergie, en fait, tu boostes ton énergie et tu élèves ton énergie. Et alors là, waouh, tu prends déjà en fait ta responsabilité, tu te prends déjà en main. Et puis après, si tu as envie d'aller plus loin, tu te fais accompagner. C'est toujours évident à faire tout seul, tu te fais accompagner, et puis voilà, comme je disais, tu prends des lectures, et puis c'est plutôt ton animateur qui va lui aussi te donner des outils, et bien alors utilise-les, fais-les. Je crois que c'est important non seulement d'aller voir des coachs, des formateurs, des accompagnateurs, c'est bien. Mais il faut aussi travailler au quotidien sur soi. Oui, travailler sur soi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Oui, tu as répondu. Et pour rebondir là-dessus, c'est pas parce qu'on est, entre guillemets, parfois les gens appellent ça, qu'on fait un petit métier, c'est pas parce qu'on est, on n'est pas le directeur de grosse boîte, c'est pas parce qu'on est seul, que notre leadership ne peut pas se développer, qu'on ne peut pas être une personne épanouie et qui vive la vie. Donc finalement, c'est le choix qu'on va faire pour se dire, j'ai le choix soit de subir, soit de vivre, je choisis de vivre. Donc à ce moment-là, on fait tout le travail de transformation, de changement, et puis pour devenir un leader en titre. Et j'aime bien ce thème de leader sans titre, parce que on se rend compte que avant on avait toujours l'impression que le leadership c'était pour les grands, ceux qui sont des directeurs, des présidents, des chefs, mais pour ceux qui n'ont pas de poste à responsabilité, il n'y avait pas de leadership. Et là ça casse vraiment toute l'idée qu'on pouvait avoir sur le leadership. Donc finalement, est-ce que tu as un dernier conseil, par exemple, si tu as parlé tu as cité Martin Luther King avec sa phrase sur le balayeur, est-ce que tu as un conseil à apporter à quelqu'un qui est, je sais pas, qui est balayeur, qui est personnel de chambre dans un hôtel, qui est agent de sécurité et qui se sente un peu dévalorisés ou qui se sentent vraiment comme la personne qui n'a pas beaucoup de valeur, entre guillemets. Et qu'est-ce que tu as un conseil pour ces personnes-là, pour que ces personnes-là puissent accepter qu'ils sont aussi importants? Oui, mais c'est même pour toutes les personnes, parce qu'effectivement, en fait, tu parles, tu as parlé de métier et des personnes qui ne sont pas valorisés dans leur métier, mais en fait même des managers, des chefs d'équipe, etc., se sentent mal dans leur vie et dans leur métier parce qu'ils se sentent pas valorisés. Il y a toujours des frustrations, je peux te dire, et on travaillait quand même dans une grande entreprise pendant 20 ans il y a des gens qui ne se sentant pas valorisés se sentaient mal dans l'entreprise et dans leur peau. Donc, peu importe toutes ces personnes, je pense qu'il y a des petites choses, une petite chose à dire, c'est déjà tous les matins, levez-vous, respirez profondément, ayez la banane, et puis, parce que quand tu as les petites moustaches qui vont vers le haut, là, tu vois, les petites antennes, quand tu fais ça, même si tu te fais le matin, tu ne peux pas commencer ta journée à mal. Je veux dire, si tu fais déjà ça le matin, c'est waouh, et puis tu te mets en rythme, tu te mets de la musique déjà pour bien commencer ta journée. Et après, c'est se dire aussi, waouh, qu'est-ce que je peux apporter? Donc, pas attendre qu'on te dise, tu vas avoir ça. Si, parce qu'on va attendre toute sa vie, on attend tout le temps des reconnaissances. Et s'il faut attendre des reconnaissances de quelqu'un d'autre, je pense qu'il faut d'abord se motiver soi-même en se disant, waouh, quoi, qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui à toutes ces personnes que je vais rencontrer, que ma journée soit joyeuse, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je fais, parce qu'il y a des métiers dont tu as cité qui ne sont pas peut-être faciles,
Mais en même temps, c'est waouh, qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon métier? Toutes ces petites choses, voilà, qui font qu'on remplit une boîte ou un grand sac de choses positives, et au fur et à mesure, hein, ça se renforce, et puis se dire waouh, enfin, ce métier que je fais, que je sois balayeur, quelqu'un qui travaille au service dans un hôtel, que ce soit effectivement ce manager qui se sent aussi mal et qui attend cette annonce, c'est qu'est-ce que je peux bien sûr faire pour rendre ma vie plus heureuse, pour prendre ma vie en main et pour être le leader sans titre. Ça veut dire ben, ok, je sais que ce que je fais, ça apporte quelque chose à quelqu'un, même si c'est à une personne. Mais quel bonheur, quel bonheur en fait de rendre service à une personne. Ma journée est déjà bonne quand voilà, moi aujourd'hui ma journée elle est super chouette parce que j'ai commencé par une interview et c'est très, enfin voilà, ma journée elle est super, mais j'ai pas attendu en fait ce moment pour se dire enfin voilà, j'ai une journée de merde et maintenant ça commence. Non, c'est depuis ce matin que je me suis mise en route et puis voilà, en plus enfin, je veux dire, cette interview ben, c'est la joie et le bonheur en fait de ma journée. Et voilà, c'est toutes ces petites choses qui vont tourner, qui valorisent ta personne, mais va les chercher toi-même. N'attends pas qu'on te dise ben voilà, Fabienne, tu es excellente. Parce que t'as pas beaucoup, ils vont te le dire, ça c'est sûr. Donc n'attends pas en fait ces moments-là. Décide de dire à toi-même de temps en temps, ça aussi, c'est un compliment aussi. C'est waouh, qu'est-ce que je suis extraordinaire, quoi. Parce qu'on a trop tendance à se dire qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là. Et ben non, je suis juste extraordinaire, je suis moi et c'est déjà parfait. Donc voilà, je pense que c'est ça le leader. Après, on devient son propre leader et on peut faire gonfler en fait cette mallette de leader sans titre, son leadership. Je pense que ça part de toutes petites choses et puis on le fait grossir et puis waouh, voilà, on explose. Excellent. Ouais, c'est moi sur dans tout ça, ce que j'ai résumé sur ce que tu nous as partagé, c'est que quand on est en tant que personne, on a de la valeur. En tant que personne, ben, c'est des toutes petites choses qu'il faut qu'on apprenne aussi à valoriser, à garder aussi cet esprit de gratitude et d'être libre en soi et de se dire, ben, je ne vais pas me focaliser sur ce que je vois devant moi, mais je me focalise de l'intérieur pour voir qui je suis de l'intérieur et comment je peux l'exposer de l'extérieur. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça m'a dit, moi, ce matin, j'ai pris mon temps pour méditer, pour lire et puis pour planifier ma semaine. Et ça encore, cette interview m'a encore donné encore le feu pour dire, waouh, je vais avoir une semaine extraordinaire. Parce que c'est des petites choses souvent qu'on oublie et on attend parfois des choses de l'extérieur pour que l'extérieur approuve certaines choses de notre vie, mais pourtant nous-mêmes on peut créer les conditions pour vivre une vie qui vaut la peine, une vie de leadership, de leadership où on va être vraiment inspirant pour les autres. Et donc merci à toi vraiment Fabienne pour ce que tu nous as apporté dans cette interview. Avant de terminer cette interview, j'ai une question pour toi. Probablement, il y aura des personnes qui seraient intéressées par soit te contacter, soit pour en savoir plus sur ce que tu fais, parce que tu dégages une belle énergie aussi. Et peut-être que les gens pourront vouloir prendre contact avec toi. Comment ils peuvent faire? Et puis aussi, je te demanderai aussi que tu me transmets aussi tes coordonnées, ton site internet, email, que je mettrai aussi à la fin dans la description de ce podcast, que les gens qui souhaiteraient prendre contact avec toi puissent le faire. Comment les gens peuvent te joindre plutôt. Ok, mais d'abord, je voulais te remercier aussi parce que c'est un super moment et puis une superbe rencontre qui s'est faite il n'y a pas si longtemps. Donc, merci à toi, Fadler. Et puis, où me contacter, sur mon site, via mon site qui s'appelle monentreprisemaréussite.com en un mot. Et
Et donc là, vous avez tous mes programmes et puis vous pouvez me contacter par là. Ou alors, je peux effectivement vous donner mon numéro de téléphone et mon numéro d'adresse email. Donc voilà, je pense que c'est un des meilleurs moyens. Et puis après, on peut se contacter, qu'on soit en Belgique ou en France. Tout est possible. On peut faire ça à distance, comme en face-to-face. Donc voilà, je pourrais te dire juste... Merci. Merci à toi aussi d'avoir accepté cette interview. Et encore, je rappelle qu'on a les mêmes initiales, FC. Et donc, ça fait une belle rencontre. On a pu vraiment échanger. Et j'ai beaucoup apprécié les valeurs que tu dégages et puis la personne que tu es. Donc, en tout cas, merci Fabienne. Merci d'exister et merci pour cette belle rencontre. Est-ce que j'invite vraiment les gens à aller lire, hein, le Leader sans titre? Qui est vrai, c'est vrai que c'est son titre qui m'a quand même inspirée. C'est un livre de Robin Sharma et je l'invite vraiment, je veux dire, à lire. Ok. Vraiment à le lire. Robin Sharma est l'auteur aussi du Moine qui vendit sa Ferrari. Donc, c'est aussi un livre vendu en plus de 3 millions d'exemplaires. Je pense que, voilà, il est connu et je pense qu'il il gagne à être connu encore. Et voilà. Ok, en tout cas merci. Donc Fabienne nous a donné plein de richesses, donc ce livre aussi que je recommande, et puis et toutes ces valeurs qu'elle nous a apportées dans cette interview. Merci à toi Fabienne. On arrive à la fin de ce podcast et ben, je dis à tout le monde de passer une excellente semaine, vraiment profiter de la vie, soyez vous-même, soyez les leaders que vous devez être, et puis Fabienne, je te dis à bientôt pour un prochain interview. Hein? Ça me semble pas plaisir. Prochain interview. Avec grand plaisir. Ok. Allez. Vraiment, ciao. Ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 75 de la série FC Leadership Podcast. Merci de l'avoir suivi. Merci pour vos feedbacks. C'est vraiment important pour moi. Cela me permet de m'améliorer pour mieux vous servir. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Si vous souhaitez un accompagnement pour transformer votre vie, vous avez besoin de faire un changement, un tournant de 360 degrés pour vivre la vie que vous rêvez de vivre, vous pouvez me contacter et nous pourrons discuter et voir qu'est-ce qui est possible si on travaille ensemble. Contactez-moi à contact@fcelestin.com ou laissez-moi un message sur ma page Facebook ou sur Instagram. Partout où vous me trouvez sur LinkedIn, et je me ferai le plaisir de prendre contact avec vous et vous écouter, voir ce qui est important pour la réalisation de votre rêve. Soyez des leaders passionnés, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!